Longtemps. Commencez par vaincre les porteurs de feu. Regardez, la porte.
mort de soufre. Les soupirs, propaganda. Leurs archers sont là-haut. Protégez-vous dans cette sphère de lumière.
Agandor doit être à l'intérieur. Alors c'est là que nous devons nous rendre. La route est bloquée par une barrière magique très puissante. Pouvez-vous briser le sort ? Peut-être, mais il faudra du temps et de la concentration. Vous devriez commencer. Nous assurerons vos arrières. Là-bas, on a enlevé la barrière. Venez vite, les portes sont ouvertes.
Nous allons devoir nous séparer un moment, mes amis. Je ne peux pas vous suivre au sein de ces étroits couloirs. Allez-vous rentrer chez vous? Non, jeune dame. Ce serait déloyal de ma part de vous quitter alors que la vie de mes amis est en danger. J'attendrai votre retour. Il se peut que je puisse empêcher des renforts de vous suivre jusqu'à la tunnel. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Les elfes prennent de l'avance. Que la bonne fortune soit avec vous tous. Nous avons atteint la citadelle. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne distraction. Restez avec nous! Zog, que se passe-t-il là-bas? Envahisseurs! Combien? Pas beaucoup, mais ils ont libéré l'aigle! Imbécile! Notre cachette va être dévoilée! C'est tout ce que savent faire vos larbins? Ce sont sûrement de grands guerriers! Des elfes redoutables! Ou des saletés de Tark! Ça m'est égal! Trouvez-les et tuez-les! Alertez vos gardes! Ne les laissez pas s'enfuir! Prévenez mes gardes et dépêchez-vous! Tenez bon, on arrive! Non, ne laissons pas à Gandor le temps de s'échapper. Allez, occupons-nous de ces gardes. Le plus gros est Tarzog, un chef des orques du Mongram. Chef! Très bien. Je vais te demander la caisse.
été tué. Assurons-nous que les autres crapules subissent le sort. Attendez maintenant un Dunadan. Auriez-tu fuir la terre du milieu avec vos semblables tant que vous en aviez l'occasion? Nous ne fuyons devant rien, encore moins devant vous, laquais de Sauron. Imbécile, je suis le bras droit de Sauron. Je verrai votre précieuse foncombe brûler et votre bâtard de père ramper en chier devant moi. Vous ne ferez rien, vos complots s'arrêtent là. Je viens seulement de commencer mon travail. Vous n'espérez tout de même pas avoir une chance de m'arrêter à deux? Ils ne sont pas seuls. Ne cherchez pas vos gardes. Ils ne viendront pas. Thornost n'a aucune valeur. Vous n'avez absolument rien gagné. Ils s'échappent! Nous ne pouvons plus espérer le suivre. Moi, je peux! Cette tempête est maléfique! Non, sûr. Je ne le vois plus maintenant! C'est inutile! Il nous a échappé pour le moment! Ne vous en voulez pas. C'était courageux à vous de partir à sa recherche seul. Oui. Mais ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Agandor est une menace pour tous les gens libres du Nord. Nous devons le détruire ou mourir au combat. Oui, mais nous devons d'abord le trouver, et ce ne sera pas facile. Peut-être n'importe où. En ce qui me concerne, j'aimerais partir à la recherche d'Agandor avec vous. Mais il me faut penser à mon devoir. Je dois retourner dans mes terres pour informer le Seigneur Gwaihir de tout ce que j'ai appris ici. Votre devoir envers votre peuple est prioritaire. Bonne chance à vous, Beleram. Oui, bonne chance, où que vous alliez. Jusqu'à ce que vos airs vous reçoivent à la fin du voyage. Je vous remercie. Présentez mes amitiés à Elrond, votre père. Je vous dis adieu. Quant à nous, je crois qu'il est également notre devoir d'informer nos alliés de tout ce que nous avons appris. Nous devrions retourner au camp Ranger du Gué de Sarn. Al'Barad aura hâte d'entendre ce que nous avons à lui dire. Je suis d'accord, car pour ma part, je suis toujours sous les ordres d'Al'Barad. S'il s'avère qu'Al'Barad n'a pas besoin de vos services immédiatement, je vous incite à vous rendre également à Imladris. Nous aurons sûrement besoin de votre force et de votre intelligence d'ici peu. Et Aragorn est le hobbit qu'il recherche. Il a sûrement des ennuis avec des cavaliers noirs, entre autres. Ne devrions-nous pas les aider? Si Aragorn a retrouvé ce hobbit, ils vont certainement se rendre à Imladris.
Il se trouve à plusieurs jours devant nous. Nous devrions le chercher en chemin, mais Aragorn est plein de ressources. Je suis sûr qu'il arrivera à Imladris avant nous. Nous ferions mieux de retourner au gué de Sarn. Adieu. Les fils d'Elrond et les compagnies errantes m'ont parlé de votre bravoure à Fornost. Vos compétences et votre audace sont louables. Je crois que nous avons réussi à faire reculer un peu l'ennemi. Mais comment les choses se passent-elles ici depuis que nous sommes partis retrouver Aragorn ? Tout est tranquille. Une alarme a été déclenchée au Pays de Bouc peu après que nous avons quitté la compagnie, mais il semblerait que c'était une fausse alerte. Avez-vous eu des nouvelles d'Aragorn ? Il cherchait désespérément un certain Hobbit lorsque nous l'avons quitté à Bray. Tout ce que je sais, c'est qu'on dit qu'Aragorn a quitté Bray en compagnie de 4 Hobbits de la Comté. Je suppose que l'un d'eux est le Hobbit qu'il cherchait et qu'il se dirige maintenant vers Foncombe. Mais il y a de plus mauvaises nouvelles. La nuit précédant leur départ, l'auberge du Poney Fringant s'est fait attaquer par des assaillants inconnus. Ce n'est pas bon signe. Il a peut-être besoin de notre aide. C'est également ce que je pensais. Mais s'il est poursuivi, Aragorn s'arrangera pour brouiller les pistes. Même un traqueur aussi doué qu'Eradan aurait peu de chances de le trouver. Que devrions-nous faire dans ce cas ? Je vous conseille de vous rendre à Foncombe. Aragorn sera impatient d'avoir des informations sur Agandor, et il a sûrement d'autres tâches à vous confier. Pour l'instant, l'ennemi semble s'être éloigné de la comté. Moi, à Foncombe ? L'hospitalité d'Elrond est légendaire, et ce n'est pas comme si on m'avait fait une meilleure proposition. Pourquoi pas ? Et la route est longue pour s'y rendre. Nous ferions mieux d'y aller. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour moi en chemin. Vous n'avez qu'à nous dire quoi ? J'ai envoyé 2 de mes rangers, Kilaran et Luin, en patrouille le long de la rivière Brandevin. Ils auraient dû revenir il y a fort longtemps. Je suis de plus en plus inquiet à leur sujet. Ce sont tous deux des rangers expérimentés qui ont servi de nombreuses années dans cette région. Nous pouvons être certains qu'ils ne se sont pas simplement perdus. De quelle direction vont-ils revenir ? Ils devaient suivre la rivière Brandevin vers le nord jusqu'à la Grande Route de l'Est, puis revenir en passant par les Galgal. Les Galgal sont juste au nord de là où nous nous trouvons. Nous allons donc nous rendre au nord en passant par les Galgal. Nous découvrirons peut-être des traces de leur présence lors de notre voyage. Je vous remercie. Eradan est un excellent traqueur. Et si Luin et Kilaran ont réussi à aller jusqu'au Galgal, il y a de grandes chances qu'ils retrouvent leurs traces. Adieu et bon voyage à tous. Help!